Последняя минута. Last minute. Five, four, three, two, one. Stop. Il y a sans doute plusieurs versions sur l'histoire de la kettlebell. À l'origine, c'était des poids avec une anse composée sur de grandes balances pour peser les provisions. En même temps, on mesurait sa force et, petit à petit, ce poids est devenu un poids de compétition. Aujourd'hui, la forme de la kettlebell a été un peu modifiée. Elle s'est modernisée pour que la prise en main soit plus adaptée. Voici l'histoire de la kettlebell moderne. Ce sport est devenu très populaire dans toutes les républiques de l'ex-Union soviétique. Au début du XXIe siècle, l'Europe et l'Amérique se sont intéressées à la manière dont nous pratiquions ce sport. Aujourd'hui, la kettlebell est partout dans le monde. Et еще у нас есть разновидность, которая еще не стала популярной, разновидность гиревого спорта. Il y a plusieurs techniques, dont certaines moins populaires, comme le jonglage de force pratiqué avec des kettlebells. Да. Это значит с более легкими видами. Bien sûr, les poids sont moins lourds, mais on fait des mouvements sur de la musique, un peu comme dans le patinage ou dans la gymnastique. C'est amusant et très spectaculaire. Художественная гимнастика и так далее. Это зрелищно и интересно. Да. Но пока такой формы и популярности он не получил, но это очевидно и будущее гиревого спорта. Vous voyez, on a une palette très vaste de possibilités. Un jour, la kettlebell guidera le monde. I like kettlebelling because it's interesting. J'aime la kettlebell parce que c'est un sport intéressant, plein de moments où tu peux te dépasser. Ce n'est pas un sport que tu pratiques seul, mais en équipe. Tu dois aider et on t'aide en retour. On est comme une grande famille. Grâce à leur entraînement, mes frères sont devenus champions du Kazakhstan. Alors j'ai envie de pousser mes limites au maximum, pour moi aussi devenir un champion. Pour avoir de bons résultats, on nous pousse à aller le plus loin possible lors des entraînements pour qu'on puisse se sentir à l'aise lors des compétitions. J'aime les sports de force depuis l'enfance. Quand je m'entraîne, je cherche à progresser et à aller toujours plus loin. Travailler mon endurance, c'est ça que j'aime. J'ai découvert ce sport avec la mère d'une amie. J'ai essayé et je suis de suite tombée amoureuse. Depuis, je n'ai jamais cessé de pratiquer. Thank you.
La kettlebell est née en Russie, mais le sport s'est développé en URSS. Nous avons une longue histoire avec ces poids. En Russie, nous avons beaucoup d'entraîneurs et d'athlètes expérimentés, et chaque année, les résultats ne cessent d'augmenter. En Europe et en Amérique, c'est en revanche un sport assez nouveau, où les athlètes commencent à peine à émerger. Les qualités principales pour pratiquer ce sport, c'est la combinaison de la force et de l'endurance associée à la technique. Et si ces trois critères sont réunis, on obtient un grand champion. Mais en plus de toutes ces qualités, la volonté est très importante. Elle est très importante dans chaque sport, bien sûr. Mais en kettlebell, vu qu'ils doivent tenir l'exercice pendant 10 minutes avec parfois deux poids de 32 kg chacun, la volonté est une grande qualité. C'est beaucoup de mental et sans cela, tu ne peux pas gagner de compétition. Такое оно уже больше, наверное, не физическое, а такое ментальное качество. Вот, то есть без силы воли тоже тут соревнования не выиграть, большой результат не показать. Сейчас мы активно работаем Actuellement, nous travaillons avec l'Association mondiale des fédérations internationales de sport, qui est en lien avec le Comité olympique. Notre but principal est la reconnaissance de l'IUKL par le Comité, qui pourra orienter la kettlebell vers de nouveaux horizons. Ces deux dernières années, nous travaillons beaucoup dans ce sens et avons grand espoir que ça se réalise.